Bélier, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir à vous retrouver pour nos lectures intuitives du mois de juillet. Donc on commence en fanfare avec vous, avec ce début d'été. Et comme vous le voyez, hein, les cartes sont déjà posées maintenant. Et j'ai voulu donc apporter un petit côté esprit animal. Et donc là, on va regarder ensemble ce que tous ces chiens ont à vous dire. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter les jeux hein, que j'utilise dans cette première partie également pour l'extension, même si vous retrouvez tout en détail dans le descriptif de cette vidéo. Alors, pour le cœur de votre lecture, hein, pour cette première partie, je vous montre le boîtier, il est juste à côté. Il s'appelle le Magical Dogs Tarot. Et l'édition, j'espère que je le dis bien, le Willin, magnifique édition. Hein. Les cartes sont incroyables. Il y a eu là le dernier que j'ai pris pour décembre, comment il s'appelle déjà? Le Yule Tarot ou le Yulidit Tarot. Voilà, c'est de la même édition. Donc ça, ça sera pour la première partie. Pour l'extension, je vais utiliser le Circe Tarot de Los Carabeo. Et nous avons donc ce dos magnifique. Et je vous donne un aperçu de ces cartes aussi somptueuses. Voilà, avec un coloris assez fort. Voilà, il y a quelque chose d'assez contrasté. Et j'aime beaucoup. C'est très riche en tout cas au niveau de la vibration de la couleur. Pour toujours l'extension, si j'ai des interrogations, hein, si il y a des choses qui bloquent encore, je vais me servir également de ce tarot, le tarot des mondes sauvages et inconnus. Et pour conclure cette extension, je vais vous donner un dernier message avec l'oracle de l'esprit animal. Voilà pour vous donc pour ces présentations de jeux, mes amis Béliers. Bon, je sais, ça prend un petit peu de temps, je vous mettrai un petit timer de toute façon. Alors c'est parti, on y va avec votre énergie générale. Hein. D'ailleurs, petite information encore au passage, je vous ai publié vos prévisions pour ce second semestre. Donc on y va avec cette première lame majeure et vous avez donc magnifique le soleil pour vous. Alors, ici c'est une énergie voilà, qui sera perceptible ou non, hein, c'est la toile de fond vibratoire et là ben, ça nous parle que oui, il y a de la chaleur, il y a de l'abondance, il y a des choses oui, qui vont vous apporter en tout cas du bonheur, de la vitalité. Ici ça nous dit aussi que l'invitation vibratoire c'est de briller, de rayonner, voilà, que plus vous allez être dans un aura magnifique, plus ben, vous allez attirer à vous ben, tout ce que vous souhaitez. Hein. Donc y a, les choses sont très très belles. Donc ici on parle aussi de grandes prises de conscience, de vérité avec cette énergie, le soleil. D'ailleurs celle-ci revient dans votre cœur de lecture, dans votre état d'esprit. Alors on va faire un tour d'horizon de tout ce que vous avez justement en termes d'arcane majeur et de mineur. Je crois que vous avez 4 arcanes majeures. Alors vous avez un super état d'esprit avec l'étoile et le soleil. Voilà, donc là c'est positif au maximum. Ça nous annonce même que vous êtes prêt pour vous ouvrir à une rencontre sentimentale. Ici on parle de bonheur amoureux. Hein. Ok. Alors, ensuite, dans votre entrave, votre contre ici, nous avons le chariot hein, par rapport à votre défi qui va être peut-être bloquant. Et nous avons dans votre vie sentimentale ou relationnelle, la roue de fortune. Pour les mineurs maintenant, il me semble que vous n'avez pas d'énergie de coupe, pas d'eau. Mais ensuite nous avons deux énergies de terre ici dans ce que vous souhaitez faire hein, pour ce mois de juillet, ce 8 de terre, votre vie professionnelle, 10 de terre, excellent, et le défi, nous avons ce 7 des épées, très bien, avec le conseil, ce 3 des épées. Pour votre fin de mois, nous avons un magnifique Doberman, c'est le roi des épées ici, avec cette as de bâton. Et en dos de la carte, nous avons ici ce 8 de bâton. Donc ici, il y a des synchronicités qui se mettent en place pour certains d'entre vous. Alors, on est parti. On commence donc avec votre état d'esprit. Donc, j'étais en train de vous dire que oui, ça annonce en tout cas quelque chose, une rencontre ici.
En tout cas, ça vous dit que vous vous sentez bien, que vous vous sentez guéri, que vous vous sentez maintenant en forme, que vous pouvez, voilà, comment dire, récolter quelque chose. Voilà, on parle d'amour, de vitalité, et en plus, vous vous sentez vraiment bien. Avec l'étoile, on est guidé, on est protégé, on se fait confiance parce qu'on sait que on est aimé. Donc, il y a cet état d'esprit, et voilà. Donc là, on va peut-être chercher dans ce champ de tournesol, son tournesol aussi, hein, vous voyez. Donc, il y a quelque chose comme ça. Pour vous, et vous êtes confiant. Voilà, l'état d'esprit, c'est que vous êtes confiant, vous êtes positif. Ça nous annonce quand même quelque chose de très très beau. Ce que vous souhaitez, en tout cas avec cet état d'esprit, pardon, très confiant, très lumineux, voilà, où on sent qu'il y a des choses à donner, vous avez ce 8 de terre. Ici, c'est très mignon, c'est avec ce petit border colis marron, hein, je crois que c'est un border. Ici, c'est vous avez en tout cas envie de vous mettre au travail, de oui, il y a cette énergie de productivité. Voilà, que vous êtes dans le faire, que vous n'allez pas compter vos heures parce qu'il y a plein de vitalité, il y a de la ressource, vous êtes fixé des objectifs clairs et vous y allez, quoi. Donc, c'est cette énergie-là avec ce 8 de terre, on y va, on charbonne, hein, s'il n'y a pas d'autre mot pour le coup, et on continue. Donc, c'est très très positif parce que on est aussi peut-être focus, et moi je me dis aussi pourquoi pas que comme il y a ce 8 de bâton, c'est par un curieux hasard, vous allez peut-être aussi faire cette rencontre lors de quelque chose d'assez productif. Alors je sais pas comment ça peut se traduire, mais c'est ça, que vous serez vraiment un petit peu, donc comme on peut dire ça aussi, la tête pour faire des jolis peut-être colliers de perles, que sais-je, ça peut être pas mal de choses. Mais en tout cas, vous serez plein d'activités, plein de ressources pour peaufiner en tout cas peut-être un objectif, une œuvre, je ne sais pas. Ça nous dit tout ça. Donc, vous n'allez pas vous ennuyer, mes amis béliers. Pour votre défi ici, donc c'est très 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 beau parce que ici, ça vous dit, avec ce 7 des épées, c'est voilà. C'est terminé maintenant d'être dans des énergies de projection négative par rapport à l'autre. Hein, c'est-à-dire ici, peut-être d'avoir peur d'être encore manipulé, d'être trahi. Hein. Ce 7 des épées, c'est un petit peu le filou de la bande. Donc là, on voit hein, ce chien, mais il se cache où, hein, ce morceau de cette cuisse de poulet, hein, mais en fait, il n'est nulle part. Donc il y a ce côté un petit peu, savoir en tout cas repérer tout de suite si la vibration que vous avez, elle est honnête, elle est sincère. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être vous déjà d'abord, mais en même temps, on parle aussi de rencontres ici avec ces deux chiens. Donc, c'est par rapport à ça, savoir si effectivement, comme vous êtes dans un mental clair, positif, vous allez de l'avant, et ça nous dit ça. Donc, ça, c'est comprendre, en tout cas, comment on peut dire ça, de pas vouloir vous tromper, en tout cas, sur les énergies de l'autre. Voilà, vous allez en tout cas passer au scanner peut-être toutes les énergies de l'autre et vous dire ben ça en fait c'est la bonne cuisse de poulet, vous voyez. On peut le voir comme ça. Après vous adaptez. Ce qui va donc être une entrave, bloquer votre défi, c'est-à-dire ben, pour le coup vous dire mais est-ce que je retombe encore dans mes anciens travers de manipulation, etc. C'est vous dire mais je suis peut-être pas sur la bonne route, voilà, peut-être que je suis en train de me tromper et du coup ben, je laisse tomber, je vais pas faire d'efforts, je vais pas aller jusqu'au bout, je vais pas me donner une direction forte dans ce que je souhaite atteindre comme projet, comme objectif ou comme rencontre, je ne sais pas. Donc ici on vous dit voilà de rester déterminé, de ne pas abandonner justement, même si vous vous dites mais voilà avec à quelle sauce je vais être mangé, alors qu'on vous dit justement que vous avez ben, complètement la lucidité en tout cas pour repérer ce qui sera bon ou mauvais pour vous à entreprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas quand. À chaque fois, je dis, je ne sais pas comment ça va se traduire parce que ce sont des énergies. Après, vous adaptez, bien entendu.
Mais moi, j'ai la sensation que c'est par rapport à une nouvelle rencontre, hein, sentimentale ici, parce que là, il y a bien un soleil qui arrive dans votre vie, de manière complètement inattendue peut-être aussi, parce qu'on a aussi cette roue de fortune dans votre vie sentimentale, et ce 8 de bâton qui nous parle de synchronicité. Alors au moment où vous allez vous mettre enfin à bûcher, hop, vous rencontrez quelqu'un. Ça peut nous dire ça. Ok. Alors, votre conseil pour justement vous sentir bien dans cette nouvelle rencontre, nous avons ce 3 des épées. Ici, c'est le mot d'ordre, c'est de rester zen, de ne pas hurler famine, de ne... Voilà, c'est aussi apprendre à ressentir ce soulagement intérieur. Voilà, un soulagement intérieur parce que vous dites, ouais, c'est clair, c'est net, c'est ce qu'il me faut, c'est ce qu'il ne me faut pas, ça ne me convient plus, je refuse, j'accepte, c'est clair, moi je suis maintenant dans cette dynamique avec cette étoile et le soleil, je mérite le meilleur. Hein. Là, on n'a pas envie de... Là, on parle de prestige, on parle vraiment de quelque chose, oui, d'extrêmement luxe avec ce soleil et cette étoile. Là, vous avez vraiment quelque chose de grandiose. Donc ici, bah, effectivement, bah, c'est que maintenant, vous savez que ce qui peut vous amoindrir dans vos énergies, et vous le savez. Donc là, c'est vraiment, vous voulez rester maintenant, vous ne voulez plus faire semblant, tout simplement, vous ne voulez plus faire semblant parce qu'on a aussi cette énergie de l'étoile qui vous dit de rester authentique. Et vous le savez que vous êtes dans cet état d'esprit de rester authentique. Super. Pour maintenant votre vie professionnelle, 10 de Pentacle ou de Denier, on va dire Pentacle ici puisque c'est un rider, ça nous parle qu'il y a un bon état d'esprit collectif, un esprit d'équipe constructif. Et moi j'ai la sensation que peut-être qu'il y aura une transmission, voilà, un partage avec peut-être un de vos collègues ou voilà une rencontre professionnelle. Et au milieu de ces petits shows, il y a peut-être la rencontre, hein, parce qu'on est aussi dans cette énergie de deux terres. Donc là, on met en avant en tout cas ses compétences, on est de... Voilà, on transmet des choses intéressantes, riches, on apprend des choses, et pourquoi pas aussi avec le soleil, ça nous parle de récompenses financières pour vous. Pour votre vie sentimentale ou affective, ou bien relationnel, là où tourne, là il y a des circonstances heureuses, j'ai envie de vous dire, hein, puisque on a quand même ce soleil, on a ce 8 de bâton qui est là, je vais en profiter quand même si j'en parle un peu plus dans l'extension, on a aussi cet as de denier, donc as de pentacle pour vous, magnifique. Roue de fortune, là on vous dit que la vie est là pour vous dire d'avancer, de tourner cette roue, qu'il y aura des hasards heureux, bénéfiques, à vous de voir aussi qu'est-ce qui sera bon pour vous, qu'est-ce qui va vous encenser, vous empuissancer, je ne sais pas si ça se dit comme ça, parce que c'est une roue lumineuse, hein. Ici on met le programme magnifique, le programme étincelant dans vos amours, mes amis béliers. Ce qui arrive pour vous en fin de mois, alors c'est assez curieux, on a une énergie assez autoritaire, voilà, de polarité masculine en tout cas, il y a une énergie assez imposante hein, avec ce Doberman, mais qui a l'air quand même plutôt sympathique avec ce collier de plumes, vous voyez. Donc ici, c'est peut-être une énergie d'autorité, de reprendre en tout cas du bagout, voilà, et d'ordonner en tout cas un nouveau départ passionnel. Alors, est-ce que c'est cette énergie qui vient vers vous et qui va en tout cas vous dire, ben, maintenant, j'ai envie de quelque chose de puissant, de créatif, et j'impose cette volonté d'y aller, et de être dans mes énergies en plus de feu, de passion. Mais il y a un petit côté aussi, peut-être qu'on a peur de ce chien
de cette chienne, hein, je ne sais pas comment on peut dire ça, qui a ce côté assez contrôlant aussi quelque part. Alors on va voir si il est plutôt sympathique ou non ce Doberman dans l'extension. Voilà donc pour cette première partie de lecture, mes amis béliers. J'espère qu'il y a eu quelques messages. Donc c'est parti, on y va donc avec le Circé Tarot pour l'extension. On va donc tout recouvrir. Allez, c'est parti. On va donc comprendre votre énergie générale avec le soleil. Alors, c'est parti pour vous, mes amis béliers. Alors, nous avons Chevalier de coupe. Ok. Bon, alors là, il y a un prétendant, une prétendante qui arrive vers vous, hein, sur son hippocampe. Ok, il y a une offre, il y a une déclaration lumineuse, joyeuse, solaire. Voilà, c'est positif, magnifique. Votre état d'esprit avec l'étoile et le soleil, nous avons... Oh, intéressant. Trois des épées. Ok, très bien. Ça revient, hein, c'est dans votre force, hein, ce 3 des épées. Ok, je crois que vous avez, comment on peut dire ça, digéré une blessure. Vous avez enfin digéré une blessure. Vous avez enfin, ça y est, c'est parti là. Ok. Ce que vous souhaitez mettre en place le plus pour votre mois de juillet, nous avons 6 de coupe. Très bien. Ben voilà, il y a de la coupe, hein, on n'en avait pas. Eh bien. Ça arrive en extension. Le défi avec ce 7 des épées, nous avons page de bâton. Page de bâton pour vous. Ce qui pourra bloquer, hein, ce qui pourra être une entrave à votre défi, c'est le chariot. Alors en effet, peut-être que vous avez peur de voyager pour aller à la rencontre d'une personne aussi, hein, qui peut être pas à côté, hein, il peut parler aussi de distance. Ici, nous avons ce 4 de coupe. Ok. Ok. Ça, c'est dans votre énergie contre. Pour ce qui va être le conseil pour relever ce défi, nous avons, eh oui, As de coupe. Tout est... Pour certains de nos amis béliers, c'est clair qu'il y a une nouvelle rencontre sentimentale. Ça, c'est indéniable. Ok. Votre vie professionnelle avec ce 10 de pentacle, 7 de bâton. 7 de bâton. Roue de fortune, votre vie sentimentale et relationnelle. Waouh! On a le monde. Ok, bon. Génial, super. Ça, c'est très fort. Bon, il y a vraiment quelque chose sur le plan sentimental pour certains d'entre vous. Et on va comprendre donc cette énergie du roi des épées avec cette as de bâton. Oh, nous avons ce 8 ce 8 de pentacle. Bon, il est exigeant. Ou vous, vous êtes exigeant. Vous avez besoin que l'autre vous donne des démonstrations. Voilà, qui est du répondant. Ça, c'est ce que ça nous dit. Voilà, qu'il y a quelque chose de constructif ici avec ce 8 de pentacle. Ok. Et en dodo-deck, ah, nous avons ce 9 des épées. Bon, il y a encore quelques angoisses. Pour le coup, non, c'est, pardon, 9 des épées, 10 des épées. Ah, ok, bon. Mais si je pense que vous terminez une épreuve difficile, mes amis béliers, et là, on se relève de quelque chose, en tout cas, pour ce mois de juillet. Voilà donc pour cette première partie de lecture avec ce recouvrement. J'espère qu'il y a encore quelques messages. Si vous ressentez un appel pour creuser avec moi, n'hésitez donc pas à me contacter pour avoir plus d'informations sur ce que je propose pour cette extension. Merci beaucoup. Je vous souhaite encore un excellent mois de juillet, mes amis béliers. Bye bye.